Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu pas mal de questions concernant la disponibilité de Starfield sur Xbox One. Alors, je dirais oui et non. Non, parce que le jeu ne sera pas dispo nativement. Ok? Genre, vous n'allez pas le trouver dans le store et puis le télécharger pour le mettre dans le stockage de votre de stockage interne de votre console. Alors, pour y jouer, ça sera via le cloud et dans ce cas, il vous faudra l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Une fois que vous l'avez, vous partez sur Game Pass et normalement, vous allez voir Starfield. Alors, vous allez cliquer et vous verrez. Donc, vous verrez normalement un petit cloud qui apparaît ici. Alors là, ce n'est pas disponible parce que ça va arriver en fait le 6 septembre. C'est pour ça que même les personnes qui ont la version premium ne l'ont pas. Voilà. Donc, vous allez avoir un truc comme ça. Attendez, je vais revenir. Tac, tac, j'ai un petit bug. Là, vous voyez qu'il y a un petit nuage juste au coin inférieur droit. Donc, là, ici, vous voyez. Vous aurez cette fonctionnalité, pas fonctionnalité, mais le bouton jouer ici. Donc, c'est ça que vous aurez aussi sur Starfield. Alors, attention, le fait de jouer en streaming, il vous faudra une bonne connexion Internet. Et si la connexion est bonne, vous verrez que il n'y a pas de souci. C'est comme si vous l'aviez nativement sur votre console Xbox One. Voilà. Dans tous les cas, quand il va sortir, je vais tester, ok, via le cloud et puis pour voir évidemment ce que ça donne. Et si normalement vous avez une bonne connexion, ça veut dire que vous n'aurez même pas besoin d'acheter une nouvelle console Next Gen. Voilà, il vous faudra juste patienter au moment où je tourne cette vidéo. Il est 21h45 et bientôt, du coup, c'est pareil, à 2h du matin pour les personnes qui ont la version standard. Ou qui n'ont pas pris la version premium, voilà, le upgrade quoi. Vous allez pouvoir y jouer. Voilà. Ça arrive. C'est dans quelques heures les amis. Bientôt, bientôt. Allez les gars, on n'oublie pas évidemment de mettre les pouces bleus et puis de s'abonner, c'est gratuit si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez en tout cas, regardez mes let's play qui sont disponibles sur la chaîne YouTube en direct. Je fais des épisodes. C'est certes long, mais voilà. En fait, je me sers des lives et puis ça reste comme VOD. Voilà, tout simplement. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!